C'est l'amour fou. Entre Guillaume Lauvergnat et Tom, le coup de foudre a été immédiat dès le speed dating de la 17e saison de L'amour est dans le pré. Une alchimie qui n'a fait que grandir pendant le séjour à la ferme. Après avoir passé quelques jours en compagnie de ses deux prétendants, le propriétaire d'une ferme pédagogique n'a pas hésité à déclarer sa flamme à ce jeune entraîneur de cheveux, de 10 ans son cadet. Et cette différence d'âge ne semble pas être un frein à leur belle histoire. Bien au contraire. Les deux tourtereaux ne manquent pas de projets. Voyage, gestion de la ferme pédagogique ou encore soirée en amoureux devant la télé, Guillaume et Tom filent le parfait amour. Heureux d'avoir trouvé l'élu de son cœur, grâce au programme champêtre présenté par Karine Lemarchand, l'agriculteur de 34 ans s'est emparé de son compte Instagram pour lui faire une tendre déclaration. Quel plaisir d'être à tes côtés et d'avancer ensemble vers des projets communs, a-t-il écrit en légende d'un selfie sur lequel les internautes ont pu découvrir le couple souriant et complice. Avant de lever le voile sur leur nouvelle aventure qui est sur le point de commencer, dans moins de 2 mois nous ouvrons au public notre ferme arrobase domaine de la Gagne pour la première saison à deux. Un nouveau chapitre qui comble de joie les abonnés de Guillaume. Je vous souhaite beaucoup de succès et d'accomplissement pour cette nouvelle aventure à deux, trop hâte de venir vous voir cet été, vous êtes magnifique, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite, peut-on lire dans les commentaires. Devenu l'un des couples chouchous des férus de l'amour et dans le pré, Guillaume et Tom risquent d'avoir de nombreux visiteurs dès la réouverture de leur arche de Noé. Supérieur à supérieur à l'amour et dans le pré 2022, top 10 des moments qui ont marqué cette 17e saison Guillaume Lauvergnat, l'amour est dans pré, et Tom ont franchi une grande étape fou amoureux de Guillaume, Tom n'a pas hésité une seconde à quitter la Bourgogne pour s'installer auprès de celui qui fait battre son cœur. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, publiée le 15 novembre dernier, Guillaume a partagé cette heureuse nouvelle. Tom a déménagé dimanche 16 octobre, on a mis ses affaires, la jument dans une remorque de la ferme et on a ramené tout ce petit monde ici. Pour que son chéri puisse rapidement trouver ses marques, Guillaume lui a construit un box pour sa jument afin qu'il puisse continuer à monter à cheval et à s'épanouir. Depuis, le couple semble avoir trouvé son rythme de croisière, comme le révélait Guillaume sur les ondes de RJFM, radio jeune fréquence Montluçon, le 26 décembre dernier. On vit notre vie pleinement, tous les deux. Crédit photo, capture d'écran Instagram @ Guillaume Auvergnat 17. Thank you.